Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous accompagner encore une fois dans cette belle aventure du management. Je suis votre professeure, Soumaya Dlemi, professeure à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Ce cours concerne de l'ensemble 1 à l'ensemble 12, toute notre promotion de première année, économie et gestion. Mais si vous êtes d'une autre filière, soyez les bienvenus. Où est-ce que nous sommes aujourd'hui? 15e capsule vidéo, chapitre 2, vers la dernière partie. D'accord? Prenez vos stylos. Vos calepins, prenant les notes, comme d'habitude, même méthodologie. Ce point d'aujourd'hui vous intéressera. Oui, je sais, vous m'avez laissé beaucoup de commentaires et c'est pour cette raison que je suis heureuse d'animer cette capsule. Le leadership. Comment devenir leader? Est-ce que le manager est un leader? Est-ce qu'il n'est pas leader? Est-ce qu'on est leader? Est-ce qu'on est déjà leader ou on se construit pour être leader? Le leadership. Oui, les gens leaders sont des gens exceptionnels. Quand déjà tout de suite j'ai prononcé le mot leader, certainement vous avez pensé à une personne. Peut-être Gandhi, Martin Luther King, Mère Teresa ou d'autres personnalités qui ont traversé l'histoire, qui ont laissé leurs preuves. Doucement, on va aller pas à pas. S'il vous plaît, notez avec moi. Il va falloir déjà mettre les choses au clair. Pourquoi? Pour pouvoir les mettre dans un contexte. Pourquoi parler du leader déjà aujourd'hui? L'entreprise d'aujourd'hui s'insère dans ce qu'on appelle le management moderne. C'est ce que nous avions précisé dans les capsules précédentes. Et parmi les nouvelles préoccupations du management moderne, qu'est-ce qu'on retrouve? La communication, sous ses différentes formes, la culture du travail, sentiment d'appartenance, la participation, le sens du travail, l'influence de l'environnement externe, l'exercice du pouvoir et le leadership. Bon, quelques définitions sont essentielles pour cadrer les choses ensemble? Vous êtes prêts, s'il vous plaît, soulignez ces points-là et prenez-les avec vous. Warren Bennis, qu'est-ce qu'il précise? Comment il voit les choses? Comment il a défini la chose? Le leadership est la capacité de se connaître, d'avoir une vision clairement communiquée, de faire confiance aux collaborateurs et de prendre les mesures nécessaires pour réaliser son propre potentiel de direction. Fin de la citation. Je passe à Peter Drucker que vous connaissez très bien avec moi. Le leader est à son expression la plus parfaite lorsque les individus se disent « nous avons réussi par nous-mêmes ». Kurt Lewin, à son tour, nous dit « pour être leader ou pour avoir un leadership autoritaire ». Le leadership autoritaire, il est assez particulier. Les décisions sont prises par le responsable seul, sans concertation. Oui, il demande l'avis de personne. Ils ne sont ni justifiés, ni explicités. Il prend l'unicité du pouvoir. Le leader, il reste à l'écart du groupe et n'intervient pas que pour canaliser, on va dire, le travail. Dans ce genre de groupe, qu'est-ce que nous observons? Comportement assez agressif entre individus avec une cohésion assez faible. Donc déjà, lorsque les comportements sont agressifs, les tensions internes sont fortes. Kurt Lewin, il pense à quoi? Que le leadership, il peut avoir plusieurs formes. Déjà, tout de suite, il nous a défini le leadership autoritaire. On va passer à un deuxième type de leadership qu'il nous explique. Le leadership démocratique. Les décisions sont prises entre le groupe et le leader. Il y a une certaine progression. Chaque étape, elle est, on va dire, assez clairement située et objectivée. Et si des problèmes se présentent, eh bien le leader, il propose plusieurs alternatives entre lesquelles le groupe va faire son choix. Dans ce groupe, qu'est-ce que nous remarquons? Une cohésion qui est assez forte, une grande satisfaction des membres du groupe, un climat social affectif assez positif. Donc ça va. On passe à un troisième type de leadership. Laissez faire. Après avoir précisé les activités et leur évolution, qu'est-ce qu'il fait le leader? Il va adopter un comportement passif. Il va voir que les gens travaillent de loin, mais il va avoir un management peut-être à distance. Il va leur envoyer des mails de très loin, leur dire « est-ce que ça va ?» Et vous savez très bien que lorsque nous ne suivons pas le salarié, qu'est-ce qu'il va nous répondre? Oui, ça va, mais il ne fera pas pour autant sa tâche, ni son travail. Donc, il ne faut pas venir au bilan de fin d'année pour pouvoir lui faire des reproches. Parce que vous le savez très bien, nous l'avons déjà étudié, si vous ne suivez pas votre salarié, vous ne pouvez absolument pas lui reprocher plus tard. Pilotage salarial, contrôle, suivi et encadrement. Je ferme la parenthèse et je reviens au leadership. Laissez faire. Il n'évalue pas. Il ne juge pas.
Dans ce groupe, qu'est-ce que nous observons? Comportement agressif entre individus, mauvaise cohésion, absence de satisfaction et climat social et affectif mauvais. Le groupe, il est inefficace, improductif, mais c'est normal parce qu'il n'est pas là pour pouvoir tout le temps motiver, crier, stresser, même stresser positivement. Donc nous retrouvons vraiment un manque de performance. Et vous remarquez qu'il n'y a pas un seul type de leadership. Le leadership participatif reste positif. Il peut mener vers de la performance des équipes. Et c'est ce que je vous encourage. Les gens aussi confondent entre manager et leader. Mettons les choses au clair ensemble. Je vous partage une phrase qui a attiré mon attention déjà et que je voudrais absolument que vous puissiez noter. Managers do the things right. Leaders do the right things. Alors, the managers, les managers, do, ils font ou ils agissent, the things right. Les choses de façon correcte. Les managers, alors, ils font les choses ou agissent de façon correcte. D'accord. Leaders do the right things. Les leaders font les bonnes choses. Je ne sais pas si vous avez ciblé la différence entre les deux. Qu'est-ce que vous comprenez avec moi? Que les leaders, ils ont une vision claire de la chose. Il n'y a pas de doute. Il y a plus de pertinence, plus de précision. Ils touchent le fond, ils touchent le noyau d'un problème. Ils ne sont pas là uniquement pour réfléchir, mais surtout pour agir. Donc, ils créent plus, ils innovent plus, ils prennent des initiatives. Pourquoi? Parce que tout simplement, le leader, il sait ce qu'il faut faire. Il sait motiver ses équipes à le faire. Vous voyez la différence? Donc vous allez me dire, madame, est-ce qu'il a un feeling? Il a un sixième sens? Moi, je vais franchement vous dire oui. Oui, sa vision, elle est claire. Il ne rentre pas dans des dilemmes. Il n'hésite pas. Est-ce que vous êtes comme ça? Si vous êtes comme ça, vous êtes déjà un leader. Il est un fonceur, c'est un aventurier. Il peut tout rééquilibrer lorsque nous sommes en réunion. Il va se lever, prendre un paperboard, prendre un feutre, et hop, il va commencer à dessiner, faire un schéma, il va nous expliquer. On va être captivé par lui. On est dans l'aura du leader, le charisme du leader. Oui, il a du charisme. Les équipes vont le suivre directement. Pourquoi? Parce qu'il a de la présence. C'est un chef d'équipe, c'est un meneur, c'est un booster, c'est un leitmotiv. Et bien sûr, il va mener les gens vers l'efficacité, vers la productivité. D'accord. Laissez-moi encore vous expliquer certaines choses. La distinction essentielle fait que le leader et le manager n'ont en réalité que très peu de points qui sont communs. Alors, comprenons mieux et doucement pour vous permettre de prendre justement des notes. Le manager, il est désigné par qui? Par sa hiérarchie. Il est imposé à l'équipe. Il détient une autorité formelle qui va découler de son statut, de son pouvoir organisationnel. Donc, il est nommé par la direction et il est surtout focalisé sur les tâches. Il va pousser les équipes en exploitant des ressources physiques. Et les compétences aussi, il va les exploiter, il va miser sur la raison. Tout ça, c'est positif, parfait. Le manager, il va organiser, c'est un organisateur qui va coordonner, il va contrôler même l'équipe. Par contre, le leader, il est reconnu comme tel par qui? Par les membres de son équipe ou par l'ensemble des services qui le voient agir, avoir un esprit d'initiative, se lever seul, proposer seul, c'est une force de proposition. Il va avoir un management de proximité, un management transversal et un management transformationnel. On y va doucement. Il va détenir une autorité d'influence. C'est un influenceur. Quand vous le regardez dans les yeux, vous êtes captivé par lui. Vous dites, waouh, il a quelque chose de particulier. Et vous ne pouvez pas ne pas suivre. Vous ne pouvez pas. Parce qu'il ne vous donne pas des ordres, il va vous faire des demandes. Et tellement vous le respectez, tellement vous voyez que son discours est crédible et fiable, que vous suivez. Donc l'autorité d'influence qui découle de sa fonction, elle est d'un pouvoir relationnel. C'est à partir des relations que vous avez entretenues avec lui que vous voyez que c'est quelqu'un vraiment qui vaut qu'on puisse le suivre. Il est le garant de l'avenir. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il a une claire vision des choses. Il tire l'équipe en exploitant les ressources émotionnelles et même spirituelles. Oui, vous allez me dire, il manipule. Oui, peut-être bien, c'est un manipulateur, mais on va mettre le point sur l'intelligence émotionnelle et l'intelligence comportementale chez ce leader. Et c'est une très, très grande force, c'est un enjeu radical, très primordial, indispensable en entreprise. Le leader est un visionnaire. Il propose et il influence. Enfin, la vision
du but à atteindre. La participation, le pouvoir chez le leader, le dynamisme, il est l'exemple à suivre. Il s'est transformé en simple groupe en team. Donc le teamwork avec lui, c'est tellement agréable qu'on ne sent même pas le temps passer. Oui, j'espère que vous allez avoir, on va dire, une feuille de route, un tableau de bord pour pouvoir vous transformer pour être un leader. Si vous voulez un leadership transformationnel ou transactionnel, dans le nouveau type de leadership, voilà certaines explications. On y va doucement. Vous êtes prêts? S'il vous plaît, continuez à prendre des notes avec moi. Le leadership transformationnel, il vise à soutenir et faire progresser les individus dans leur développement personnel et professionnel. Il croit en l'être humain, témoigne de la considération à chacun, répond aux préoccupations et bien sûr cherche à satisfaire les besoins. Il va même augmenter le sentiment d'efficacité personnelle des individus et leur sentiment d'appartenance. C'est pas magnifique ça? C'est magnifique. Il travaille sur quatre dimensions: le charisme, l'inspiration, la stimulation intellectuelle, la considération pour les individus. Or, le leadership transactionnel, il va s'appuyer sur l'évaluation et le contrôle des subordonnés par l'entremise de moyens rationnels et économiques. Pourquoi transactionnel? Parce qu'il y a des interactions qui proviennent de la naissance d'une entente mutuelle qui est satisfaisante. Donc, leader, il donne des récompenses établies à l'avance en fonction des efforts. Sur deux dimensions, pouvoir de récompense et bien sûr pouvoir coercitif. Je voudrais bien que vous puissiez tracer un tableau avec moi dans lequel vous mettez leader dans cette colonne, manager dans l'autre colonne, juste pour essayer de faire la différence. C'est bon? Vous avez tracé votre tableau? On y va. La première colonne, c'est leader. La deuxième, c'est manager. Alors, leader se tourne vers l'avenir, souligner l'avenir. Le manager se concentre sur le présent. Il y a une différence temporelle. Leader, c'est l'avenir. Le manager, c'est qu'est-ce qui se passe tout de suite. Se concentre sur le présent. Deuxième point, le leader apprécie le changement. Soulignez-moi, s'il vous plaît, le changement. Le manager préfère la stabilité. On mène les choses comme d'habitude, comme au quotidien, comme tout le temps, pour garantir le maximum de production. Troisième point, le leader privilégie le long terme. Soulignez-moi long terme. Le manager s'oriente vers le court terme. Il faudrait qu'il puisse décider des décisions qui sont rapides pour pouvoir arriver vite à un chiffre d'affaires attendu par l'entreprise. Point suivant. Le leader cherche à connaître le pourquoi, pour comprendre, pour innover, pour créer. Passons au manager. Il se concentre sur les objectifs et les résultats. Point suivant. Le leader sait déléguer. Oui, il fait confiance aux autres membres de l'équipe. Le manager veut planifier, contrôler. Point suivant. Il se fie, le leader, à ses intuitions. Par contre, le manager s'appuie sur des raisonnements logiques. Dernier point, le leader tient compte dans sa vision de l'environnement social. Le leader limite sa vision à l'entreprise. Donc c'est assez carré chez le manager. On y va avec un autre point. Alors que le leadership, il peut ainsi se définir comme la capacité d'une personne à influencer et à fédérer un groupe pour atteindre un objectif, commun bien sûr, dans une relation de confiance mutuelle et pour une durée limitée. Qu'est-ce que vous remarquez? Que l'intérêt d'avoir un leader dans une équipe, qu'est-ce qu'il nous octroie? Qu'est-ce qu'il nous donne comme avantage? Obtenir des moyens d'action nécessaires à la mise en œuvre des objectifs, ce qui va lui permettre de formaliser et simplifier les tâches. Et vous savez, il n'y a pas de style de leadership parfait ou idéal. Pourquoi? Parce que cela dépend des circonstances et des personnes avec qui nous sommes. Donc, lorsque nous avons un leader dont le style de management correspond à sa personnalité, ainsi qu'aux attentes et au tempérament aussi de ses subordonnés, là, on peut dire que oui, que si ça fonctionne, ça donne des fruits, c'est très bien. Donc, il va s'adapter à l'environnement. Pour le management de demain, on se pose souvent la question, un management orienté résultat, un management soucieux d'une gestion humaine des ressources, une meilleure prise en compte de l'élément humain et de sa dynamique d'engagement. Des managers qui font preuve d'une sécurité interne, mais aussi d'une ouverture face à une complexité croissante.
On a besoin d'énergie, d'enthousiasme pour que l'organisme de formation accompagne les managers déjà pour relever ces défis-là. Voilà. Notre chapitre 2 touche à sa fin. Je ne vous ai pas donné une capsule exhaustive, je sais, c'est uniquement pour pouvoir finaliser notre module management. Mais je vous donne la promesse de faire une vidéo complète ou un chapitre complet uniquement sur le leadership, ultérieurement, pour répondre bien sûr à toutes vos questions. Donc ici prend fin à notre capsule. Chapitre 2 est finalisé. Notre future vidéo portera sur le chapitre 3, processus de gestion. Je vous remercie infiniment de me suivre pendant toute cette belle durée. Je vous souhaite une excellente fin de journée et à très très bientôt.